J'y arrive plus. Un peu cringe, je trouve, de parler à son téléphone. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Je ne sais plus comment on fait. Je peux même pas me regarder. Je me trouve trop bizarre. Enfin bref, ça va revenir. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je sais pas quoi vous raconter en fait. Je sais pas, j'avais envie de filmer. Peut-être faire un petit update strap. Peut-être que vous avez trouvé que je parle bizarrement, mais c'est parce que je ne suis pas seule chez moi. Et je parle pas très fort, voilà. Alors niveau scrap, je suis toujours en plein scrap, comme vous avez vu dans le clip d'avant. Donc j'ai fait une petite mise à jour de mon Project Life. Donc cette année, je suis partie sur un 9x12. Donc l'album, je l'ai trouvé sur Kimidori. Voilà, vous l'avez trouvé sur Kimidori pour pas trop cher. Et là, je me suis rabonnée au kit Story by the Month, donc d'Ali Edwards, pour que ça soit plus facile pour moi et moins prise de tête. Donc voilà, tous les mois ou tous les deux mois, je reçois mon kit. Quand je ne veux pas le prendre, je saute un mois en fait. Et voilà, je sais que je travaille qu'avec ça. Alors bien sûr, je sors d'autres affaires voilà, que j'ai pour essayer de passer un peu le stock. Pour l'instant, ça va. J'ai un peu des trous déjà, mais il faut que je fasse un petit tour d'horizon et je vois quelle photo il me reste à imprimer. Je vois déjà que j'ai 3 trous là. Donc, oui, 4 même. Bizarre d'ailleurs, pourquoi je n'ai pas cette photo? Bref, donc voilà. Je tiens bon. Cette année, ma résolution, c'est de m'y tenir. Voilà, je vais. J'ai pas envie d'abandonner en plein milieu comme l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'avais fait un album 6x8. Je voulais faire un petit peu plus des pages plutôt qu'un album avec des pochettes avec des cases. Et en fait, je me suis totalement, ça m'a démotivée. Alors, je sais pas si c'était la formule qui me convenait pas ou si c'était moi tout simplement qui n'avais pas le temps. Donc, effectivement, j'avais pas le temps et j'avais d'autres envies puisque bah, vous savez que je fais toujours de l'aquarelle. Donc, ça me prend aussi du temps et en fait, je ne peux pas tout faire. Voilà, donc à un moment donné, faire des choix. Donc, j'avais fait un album de vacances. D'ailleurs, je vous ai pas posté le feuilletage parce qu'en fait, j'aimais pas du tout la vidéo que j'avais filmée. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas du tout plu. J'avais commencé à la monter et voilà. Donc voilà, j'essaye de tenir bon. Je pense que cette année, je vais pas faire 40 albums. J'ai toujours mon December Daily en cours. Et je vais faire, je sais pas si je fais un album de vacances cette année ou pas. Ou parce que j'en ai déjà deux en retard. Voilà. Donc je ne sais pas encore, je sais pas trop. Là c'est un peu moi qui blablate parce que j'ai plein de trucs à vous dire depuis tout ce temps, mais c'est un peu bouillon. Donc voilà, j'essaye de m'accrocher pour le scrap, mais je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, je pense que j'arrêterai le PL. Voilà, je l'ai déjà dit, je le verbalise de temps en temps parce que voilà. C'est. Voilà, je sais pas. Je me dis ça fait tellement longtemps que je fais ce projet. Et qu'en fait, il n'y a pas tellement de renouveau ou quoi. Donc, je pense que je me suis un peu lassée. Donc, voilà. Mais bon, pour cette année, je vais m'y tenir. Donc, je ferai des petits updates en vidéo de temps en temps. Voilà. Là, je suis en pleine, création, élaboration, planification, tension, ce que vous voulez, de mon projet boutique. Voilà, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, ça fait 2 ans. Bientôt 2 ans, que l'idée a germé dans ma tête. Mais alors autant vous dire que l'année dernière, en ayant commencé un nouveau travail, c'était pas possible de m'y mettre. Puis je savais pas trop ce que je voulais, ni quel style de création j'avais envie de faire. Et voilà, ben j'ai trouvé mon style. Donc ça c'est une très bonne chose. Et après il y a tout ce qui est logistique qui prend énormément de temps. Donc je pense que je ferai des petites en fait les vlogs vont me servir de journal de bord, un peu de journal créatif. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Moi j'aime beaucoup regarder les studios vlogs des autres créatrices pardon, ou même les studios vlogs de Scrapun, etc. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps et voilà, là je suis en mode création. Alors, en ce moment je fais mes créations, je teste beaucoup de choses, je fais beaucoup de ratés aussi, mais je réussis quand même certaines choses, donc je suis assez contente. Je pense que je vous mettrai... je m'étouffe. Je
pense que je vous mettrai un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai réalisé d'ici là, enfin depuis tout ce temps, plutôt pas d'ici là. Je pense que je vous ferai un petit haul aussi parce que je dois aller chercher un petit colis d'aquarelle qui est arrivé, donc j'irai, je sais pas si j'irai aujourd'hui, plus j'irai peut-être demain. Et voilà, ça suit son cours, donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai déserté complètement Instagram. Voilà, j'ai déserté, je n'y arrive plus, ça me saoule, Instagram me saoule, les réseaux me saoulent, ça coupe la créativité, c'est un truc de fou, et en plus ça n'apporte rien. Donc je suis en train de me dire qu'en fait, si j'ai des créations à vous montrer ou à communiquer sur certaines choses, je pense que je resterai sur YouTube, j'ai pas envie trop de m'éparpiller, TikTok, tout ça, non, c'est pas trop mon truc. Insta déjà, bon, ouais, pourquoi pas, mais ça prend du temps, c'est très énergivore, donc voilà, j'ai plus envie de ça. Et pour vous parler du scrap, je reviens encore là-dessus, c'est n'importe quoi cette vidéo. C'est ça que je vous ferai, je parlerai que de scrap en fait. D'ailleurs, je pense que d'ici que cette vidéo soit en ligne, j'aurai changé le nom de ma chaîne, donc qui aura le même nom que mon compte en fait, de compte Insta de création. Parce qu'en fait dans le scrap je m'y retrouve plus, j'aime le faire pour moi, en privé, comme loisir, mais j'aime plus communiquer là-dessus, j'aime plus montrer ce que je fais spécialement, voilà, je peux vous en parler vite fait en vidéo, mais voilà, pas faire des vidéos dédiées, mais voilà, je trouve que ça aussi ça a perdu un peu d'intérêt, avant c'était cool parce qu'on était beaucoup à en faire, et... On a été beaucoup à faire des vidéos aussi, à montrer beaucoup ce qu'on faisait sur les réseaux, donc ça a encouragé. Mais là maintenant, je pense que ça s'est essoufflé un petit peu chez tout le monde. Enfin, je sais pas ce que vous en penserez. Mais voilà, moi du coup, j'ai plus envie de faire ça, je suis plus alignée avec ça quoi. Thank you.
de 3 secondes. Bref. Donc du coup, voilà, ça rend ça. Bon, alors j'ai un peu foiré les swatchs, mais voilà, c'était juste pour voir un petit peu les couleurs. Je suis un peu déçue de celui-là, je pensais qu'il était un peu plus bordeaux, un peu plus flash, mais bon, c'est pas grave, j'essaierai de mélanger. Et maintenant, le souci, c'est qu'il va falloir que j'essaie de le faire rentrer là-dedans, je sais pas. En fait, il faudrait que je trie mes couleurs, que je refasse ma palette, mais là, je crois que j'ai pas trop envie. Là, le projet du jour, c'est de finir mon illustration. En fait, j'ai racheté cette gouache blanche. La marque, c'est Holbein. Voilà, c'est la super marque de gouache. Parce qu'en fait, j'ai de la gouache, mais qui est basique. Et quand on la superpose sur de l'aquarelle, même que c'est sec, ça ne se voit pas assez. Donc, je voulais un truc vraiment très blanc, très opaque. Donc, on va voir si ça marche. Parce que je veux finir cette illustration. Il me reste juste ça à faire. Et après, je voudrais la scanner. Parce que sinon je vais pas avancer et j'aime pas commencer plein de trucs, plein de projets en fait différents en même temps. Donc voilà, chaque chose en son temps. Je vais finir ça et puis je vous reprends après. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est... je sais plus quel jour. Donc on est mercredi c'est ça. Donc là je suis venue un peu dans mon atelier bureau. Ça me fait bizarre de dire mon atelier, mais oui c'est ça, c'est mon atelier. Donc là je viens de swatcher des nouvelles aquarelles que j'ai reçues. Alors la marque c'est Rosa Gallery. J'ai trouvé ça un peu par hasard en me baladant sur le site c'était quoi ? Aquarelles et pinceaux, c'est ça. Parce qu'en fait moi j'utilise des aquarelles de la marque White Knight, hyper pigmentées, c'est des aquarelles russes en fait. D'ailleurs je vous les ai jamais montrées, mais voilà. Super, super bien, très abordable, les godets sont très bien remplis et vraiment pas cher. Du coup là en me baladant sur le site j'ai trouvé cette marque, je crois que c'est une marque ukrainienne si je dis pas de bêtises. Et c'est de l'aquarelle extra fine, donc pigmentée de fou et le godet je l'ai payé je crois 2,35€. J'arrête en cours de route parce qu'en fait je trouve que ça se voit pas tant ça. Ce que je vais faire c'est que je ferai la retouche sur ma tablette pour mettre les parties en blanc et voilà. Et en plus je dois corriger entre guillemets, nettoyer parce que l'autre jour j'ai eu une goutte qui est tombée en plein sur l'aquarelle dorée et ça m'a bavé en fait. Mais ça on peut le récupérer sur la tablette donc c'est pas gênant. J'essaye de voir un peu, mais c'est vrai que je trouve ça pénible, ça m'arrive tout le temps, je sais pas vous, quand vous faites des créations.
vous faites des super trucs et d'un coup vous voyez qu'il y a un défaut. Genre, mais vous avez, c'est parce que c'est votre faute, vous avez fait tomber une goutte d'eau ou une goutte de peinture ou quelque chose. Et du coup, ça ruine tout le truc et ça demande encore plus d'efforts pour rattraper. Et c'est très très chiant, donc voilà, bienvenue dans ma vie. Et t'as l'impression que plus tu vas essayer de rattraper, plus tu vas faire des trucs dégueulasses. Donc, des fois, il vaut mieux rien toucher et voilà. Donc, celle-là, hop, terminée. Alors, des fois, enfin, je trouve que ça rend bien quand même, voilà. Par contre, j'aime bien après retoucher un petit peu à l'ordi et tout pour faire ressortir certaines couleurs. Là, je trouve que le visage n'est pas de la même couleur que le cou, alors je ne sais pas trop comment faire. Peut-être je le laisse comme ça, peut-être j'en sais rien. Je ne vois pas en fait comment je pourrais rattraper ça. Mais autrement, voilà, je suis quand même contente du résultat, je suis quand même contente de moi parce que j'ai pas trop fait de bavure, donc voilà. À filmer un peu, donc là je suis seule, je pense pas pour longtemps, donc je me dépêche. Donc là je viens de préparer une planche de stickers pour en fait l'emballage, voilà, avec mon logo, etc. Je fais un test parce que donc c'est la première fois que je vais tester l'impression. Normalement j'ai pris le bon la bonne trame en fait qui va avec l'étiquette que j'ai acheté, l'étiquette que j'ai acheté sur Amazon. Et j'espère que ça va rendre plutôt pas mal. Donc ça c'est juste un petit détail, c'est une étape que j'ai envie de tester pour voir si, comment dire, vous savez j'ai une to-do list et j'ai envie de le cocher de ma liste en fait. Voilà, me dire que ça y est, si j'ai besoin de me faire mes logos, je peux faire de la trappe. Ok, donc heureusement que je viens de faire une page test parce que là on a un petit problème, ça se verra pas à la caméra je pense. C'est qu'en fait le... si je le pèle, voilà, vous voyez. Là vous voyez, en fait il y a les... Ouais, c'est un peu tout décalé, va falloir que je remonte. Je sais pas pourquoi, parce que c'est la bonne... C'est la bonne trappe, mais en fait c'est des étiquettes prédécoupées parce que je n'ai pas de machine de découpe. Donc, écoutez, on va le remettre, c'est pas gênant. Et voilà, autrement, je pense que je vais couper la vidéo ici. J'espère que cette petite vidéo au retour vous aura plu et que le contenu aussi. Je vais essayer de varier un peu entre un peu ce que je fais, mes loisirs, scrap, etc., plus les créations et préparation de la boutique. Donc, il y en a encore pour quelques mois, donc vous inquiétez pas. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais voilà. Et là, la grosse question, c'est sur quelle plateforme je vais faire la boutique. Voilà. Donc, si vous avez une boutique et que vous avez des suggestions, ou me dire ce que vous utilisez vous, je veux bien parce que entre les frais d'abonnement, les frais de transaction, etc. Je ne veux pas me mettre sur Etsy, ça c'est sûr. Donc je sais pas, je suis encore indécis, j'hésite entre deux plateformes, mais voilà. Donc je veux bien avoir vos conseils en commentaire. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo.